questions-là. Et puis, enfin, surtout en demandant un remboursement de l'effective. Donc ça, c'est des moments nationaux. Il y a tout dans notre partenariat. C'est évidemment un partenariat près de l'ICS. Aujourd'hui, on dit aux jeunes femmes, il y a un médicament qui est potentiellement dangereux. Donc on le dérembourse et débrouillez-vous. Moi je pense que c'est aux professionnels de santé de dire si un médicament est dangereux, on ne le prescrit plus. Aux autorités compétentes de dire si un médicament est dangereux, on le retire du marché. C'est pas aux femmes de subir les conséquences d'un médicament potentiellement dangereux. Le déremboursement ne nous paraît pas une bonne méthode, une bonne réponse. Soit c'est toxique. Où on limite la prescription en faisant effectivement une AMM, comme on dit, une autorisation de mise sur le marché limitée pour un certain nombre de cas que certains prescripteurs, de par leurs compétences, pourront utiliser. Et pour le reste, ça n'est pas utilisé. Soit on l'interdit carrément, mais on ne fait pas cette espèce de réponse financière à un problème médical. Ça, je crois que c'était incompréhensible pour la population.